Yo les gars, ça va ou quoi? Ça va tranquille? Je pense quoi de la nouvelle carte pour les jeunes? Bah je pense que je trouve ça nul en fait. Genre c'est bien. Avec les jeunes, tu peux faire des systèmes assez cool de cartes, mais là les mettre direct à 92 et tout. C'est n'importe quoi. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, trop de joueurs, de joueurs à plus de 90 surtout. Faut se dire qu'on est qu'en janvier, le jeu est sorti il y a 3 mois, bientôt 4. Mais genre on a fait un tiers de l'année et voilà, et on a déjà quoi, comptez le nombre de 90 de gènes là. Bon les gars, comme d'hab, hein, vous connaissez le rituel du jeudi. On va voir nos récompenses fut champ. Il y a une équipe de la semaine bah, là qu'on voit, qui est pas... Enfin il y a des bons joueurs, deux, trois bons joueurs. Malheureusement derrière c'est compliqué, on va ouvrir quand même un des packs top 100 qu'on a. Hein. On avait les deux de la semaine dernière, on va ouvrir celui de cette semaine tranquille. On va pas ouvrir les trois parce que ça vaut pas le coup pour cette équipe, mais on va en ouvrir au moins un. Je pense que ça peut valoir le coup de tenter. J'ai hésité en vrai, mais bon après voilà. Je sais que vous voulez que j'en ouvre au moins un. Vous me le reprochez toujours que j'attends. Donc là on va au moins en ouvrir un. Et on va voir ce que ça donne. Il y a moyen de packer. S'il y a moyen de packer un Suarez, un Deria, on peut se mettre bien. Même un Fabinho. Et en rouge, pareil, en rouge, si on peut packer un des trois. Surtout Deria ou Fabinho, ça peut être pas mal. Par contre, je pars demain matin. Demain matin à 6h. Bon allez les gars, on va récupérer les récompenses. Je récupère vite fait rival comme d'hab. Dans tous les cas, on va avoir des crédits. J'ai fait un meilleur rang. J'ai joué un peu en rival hier. Pour faire quelques matchs, montrer, mais j'ai pas fait beaucoup de matchs. J'ai fini en 2 au final. En faisant quoi? 7 matchs de rival, je crois. On va prendre les crédits. C'est quoi les packs? Mais ouais. Ah, c'est un pack ultime quand même. Ouais, non, non, non. Pas de douille. Pack ultime à Aura 83, c'est bon, on connaît. Hein. On a déjà ouvert assez pendant la totie. On récupère ça, 61 000 crédits, c'est très bien. Bon allez. 24e, on a fini juste top 25, c'est nickel. On a un pack à 100K en plus du coup. C'est plutôt pas mal. Ah, on a 5 choix joueurs. Oh, sur 5 rouges, j'espère qu'on va avoir du lourd. Hein. 5 joueurs rouges, 4 packs à 100K, 150 000 crédits. Et un pack top 100. On va ouvrir tout ça. Espérons avoir pas mal de chance. Cette chance qui nous perd ces dernières semaines. Hein. C'est pas mal. 86, Pépé. Vous me parliez de lui juste avant. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, il a une bonne carte. Hein. Il a une carte de ouf. Après, faut voir ce que ça donne in-game. Mais il a une carte de ouf pour les Ligue 1, par exemple. Ça peut être pas mal. Tout pas mal. Hein. En tout cas, il a une belle carte. Après, on a eu des semaines où on n'a pas qu'un bon joueur direct. Et derrière, on n'a rien eu. Donc, si on n'a rien derrière, ça peut être un peu plus compliqué. Ça, c'est pas mal. Ils nous mettent bien Draxler. Draxler, c'est pas mal aussi. Bonne petite note, pareil hein, pour les Ligue 1 par exemple. C'est pas mal du tout. On a deux petites cartes de Ligue 1, on va les prendre. Et là, faut pas qu'il y ait un des. Oh Lolo! Oh, on est bien là, les gars, cette semaine. Fabinho à faire rentrer. Bon, il est DC, hein. Mais si je le ferai rentrer, ce sera en MDC. Il y a Inaki Williams en vrai. Même Inaki Williams, si je l'ai en quatrième, je serais content. Je l'aime bien. Enfin, j'aime bien sa carte en tout cas. J'aime bien le régular. Et du coup, Fabinho, on va le prendre. Un bon petit super sub pour faire rentrer en MDC en cas où en fin de match pour tenir un score quand Pogba il est un petit peu fatigué. Je fais un effort, on en a trois, on peut bien en ouvrir un petit. Même si l'équipe de la semaine elle est pas mal, enfin il y a des bons joueurs mais elle me fait peur quoi. J'ai vu des packs avec des mecs à 84 mois, ça me fait flipper un peu. Mais on va tenter notre chance. On a Kyle en tout cas en quatrième pardon. Ça c'est moins top. Allez, un petit Suarez, un petit Deria. Ah non, malheureusement non. Et là, ça va être un 81. J'aurais eu Doria, ça aurait été pas mal aussi. Suarez aussi, mais en vrai, Suarez, je l'aurais jamais mis titulaire. J'aime pas parce qu'il a pas 3... il a pas 4 étoiles cette année. Je l'aurais jamais fait rentrer aussi. Donc en vrai, c'est pas plus mal d'avoir un Fabinho. Pépé, c'est très cool. Draxler aussi, les deux pour des petites équipes Ligue 1, c'est vraiment lourd. Pépé, ça peut même être un super sub en vrai, hein, dans une grosse équipe, vu les stats. Après, je sais pas si in-game, c'est si fort que ça, mais en tout cas, les stats sont belles. Et après, le reste, c'est dégueu, mais. En tout cas, on a trois belles cartes. C'est très rare hein, que mes cartes rouges soient aussi bonnes, mais je suis bien content. La Team of the Week est éclatée. Ben, elle est pas top, ouais. Enfin, je suis complètement d'accord. On va aller la voir, même en détail. Elle est loin d'être top. On va regarder les prix aussi. Genre, c'est pas la team of the Week de l'année, mais il y a des joueurs qui peuvent coûter. Bon, ben déjà, on va penser à. Merde, je voulais mettre sur Inaki Williams, c'est quoi? 100K. 100K, c'est déjà pas mal. Suarez. C'est 700K. Draxler, je pense pas que ça coûte. Oh, quand même, 80. Par héros, vu qu'il a 88, ça va être ouais, quand même 100K.
Il y a des petits joueurs comme ça, si t'en situes pas que genre Inaki plus Draxler plus Parero, en vrai si tu as les trois c'est pas mal, même si t'as pas un des gros. Pepe ça doit coûter un peu aussi, 50 000. On a Fabinho derrière, il coûte 350. Et on a De Rea, qui lui va coûter 400 000. Donc ouais, en gros t'as 1, 2, 3 gros joueurs. Suarez, pardon. T'as 3 gros joueurs à plus de 300K. Et t'as 1, 2, 3. 3 joueurs à un peu moins de 100K. Donc oui, c'est pas ouf, mais ça vaut le coup de tenter. Mais après, en temps normal, genre si j'aurais. Si j'avais, pardon, si j'avais qu'un seul pack top 100, là j'en ai 3, donc je peux en ouvrir un. Si j'en avais qu'un, j'avais que celui de cette semaine, j'aurais pas ouvert, c'est sûr. Mais là, je pense que ça vaut le coup de tenter. Si quand même à chaque fois. Ah, mais je suis con en plus. Je fais même pas Fut Champ ce week-end. Je suis à Londres. Je pars demain à 6h du mat, donc Fut Champ sera pas ouvert. Et logiquement, je rentre lundi, donc Fut Champ sera fermé. Bon, allez! On a 4 packs à 100K. Faut des animes le plus possible. On en a une directe. Là, j'étais en mode. Là, je suis un ouf. Je me suis fait. On a Bonucci qui est aligné. Ouais, Bonucci, c'est pas ouf comme anime. Je me suis fait remonter, enfin, niquer le cerveau par les Totti là. J'étais là en train de regarder si ça brillait bleu alors que les Totti c'est fini depuis longtemps. Bon, le pack est pas si ouf que ça. Merde, je vais regarder le prix. Je peux pas? Ah si. Ça doit pas coûter beaucoup. Ouais, un peu plus de 20 000 crédits, on a Cuadrado. Ça va au final, tu vois. Si on a 4 packs comme ça me fait quelques crédits en plus, mais ouais, c'est pas ouf quand même. Mais on verra bien. Là, il n'y a pas d'anime. C'est même pas un 83. Oh là là. Là, ça, les gars, c'est du pack à 100K. C'est du pack à 100K de qualité. On a tout en doublon, mais comment c'est possible? J'ai quasiment rien dans le club. Quoique si, j'ai dû peut-être packer. On va garder. Et ça, on va jeter. Ça, c'est du pack à 100K. C'est compliqué. Ah ouais, même pas les panneaux, c'est chaud. Hein. Allez, troisième pack, faut de l'anime. Non, on va skip, y a pas d'anime, putain. Astroutman. Putain, mais je me trompe tout le temps. Je bégaye à chaque fois sur les gâchettes. Ils ont dû changer ça. Avant, j'étais sûr que j'appuyais sur LT. Maintenant, c'est plus ça. C'est chelou. En tout cas, voilà. On garde tout ce qui est plus de 82. Le reste, on vend. Allez, dernier pack à 100K. Allez, une anime, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là 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 là. Ça commençait bien avec les rouges, mais là. Là, c'est pas ouf, hein. Putain, qu'est-ce que vous me faites là, la casette? Oh, les packs à 100K sur 25K. Depuis la Totti là déjà, où on avait mis je sais pas combien de points FIFA, on n'avait rien eu. Ils ne portent pas du tout chance. Hein. On va ouvrir le troisième, les gars. Non, le troisième, je sais pas, je sens un truc dans le troisième. Pour une fois, je vais pas vous écouter là. Après, il y en a qui disent le 3. Mais j'ai envie d'ouvrir le troisième, les gars. Allez, 3, 2, 1. Un bon drapeau. Pépé. On n'a pas Suarez, on n'a pas Duran, on n'a pas Fabinho. Pour le moment, c'est pas ouf. Si on n'a rien derrière. Après, si derrière on arrive à choper un Inaki Williams, ça peut aller. Ouais, dur. Ouais, pour là, l'anime, elle est dure, mais. Si on arrive à avoir un Inaki Williams qui coûte 100K derrière, franchement, je me satisfais de ça. Allez. Si on n'a rien derrière, par contre, c'est dur. On n'a rien derrière. Aïe, aïe, aïe. Oh lolo, oh lolo. J'ai jamais eu autant de cartes à moins de 80, je crois. Oh lolo, lolo, c'est quoi ce pack? Oh, il est horrible. Oh, il est horrible. Ah, c'est le pire, je crois qu'on ait fait. Hein. Ah, depuis le début de l'année, c'est le pire. Hein. On a des 77 et tout, mais c'est quoi ces conneries? Ah non, là, on va récupérer que dalle. On avait dit quoi? 80 000 PP? Ah non, 50 000, on avait dit. On avait 50 000, 30 000, 80. Donc ça fait. Avec lui. Lui, ça va être 20K. On va dire 100 000. 20K aussi, 120 000. Oh là. Lui, on est sur du 17 000, on va dire 137 000 du coup. Tout le reste, ça va être 10 000 à peu près. Ouais, on va dire tous 10 000. Hein.
Et on en a 6 à 10 000. On a, on va dire 200 000. Pas qu'à 200 000, les gars. Oh là là. Ouvre les 3. Ah oui, bah oui. Ouvre les 3. Là, ça vous donne envie. Ah, c'est chaud. 200 000 sur un pack top 100, c'est très très chaud. Je pense qu'on a. On pouvait pas faire pire, quasiment. Et je pense que c'est le pire depuis le début de Fullchamp qu'on ait fait. Garde tout pour faire le SBC du Nico. Non, bon, on va. Je vais les mettre en vente. Ça va me faire quelques crédits. Bah, ça va me faire 200 000, du coup, comme on a compté. À peu près. C'est pas ouf, mais. Après, tant pis. I've been going through some shit that's getting real now. Yeah, people dying all around me, man. I'm telling you, this shit is getting real.